Alors on va attaquer maintenant une série de questions qui concernent la gestion des adventices dans le couvert. Alors la première question, c'est faut-il maîtriser les repousses de céréales dans les couverts courts entre deux pailles? Une question de Frédéric. La réponse va être assez rapide. Oui. Oui. Alors on a deux solutions. La première, et c'est souvent l'orge qui est assez violente à ce niveau-là, donc un antigraminé peut être bienvenu pour éliminer les repousses de céréales et se retrouver dans une situation très dicote. Bien entendu, le couvert devra être calibré avec des dicotylédones pour pouvoir supporter l'application. Si on est en agriculture biologique, dans ces cas-là, on est obligé de passer par un déchaumage qui va faire lever et ensuite un scalpage qui permet d'installer le couvert et qui normalement doit permettre d'installer un couvert qui restera relativement propre parce que en fait on aura déjà éliminé une présence une grande partie des repousses. Et donc le couvert va garder ensuite le sol propre jusqu'à l'installation suivante. Dans ces conditions-là, on perd un petit peu de temps sur l'installation et on est un peu plus dépendant dans la réussite des conditions météo, comme cette année, où ce jonglage-là était un peu plus compliqué à réaliser.